T'es prêt, Bicule? Ouais, vas-y. Ça y est, le bot, il est revenu? Non, il répond plus. Ok. Eh bien, je suis dans le donjon, Bicule. Hop. Donc là, si tu te rappelles, le colosso, faut faire chacune des salles. Ouais. La 1, la 2, la 3, la 4. Pour choper des clés. Eh bien, par contre, c'est ce que je me rappelle plus, c'est comment qu'on le déloque. Je crois qu'il est pas, il y a pas besoin de le déloque, le colosso, non? C'est pas ça. En fait, le colosso, il se déloque avec un dégât d'invocation. Ah, oui, si, bah si, c'est bon. Ouais, ça va. Ok. Ça va être avec un arachné. Ou un chauffeur, ça n'a pas de chance. Ah, je joue premier. La Pléris, je joue là. En vrai, je me fous. Le colosso, il faut simplement que tu le tapes avec une invoque et il est déloque pour un tour. Salut Quentin sur TikTok, j'ai pas joué depuis Unity. Si je me cause, j'ai encore mon perso ou c'est la bêta? Alors sur 2.0 t'as encore ton perso et c'est encore la bêta sur Unity, mais pour l'instant c'est fermé. Comment va monsieur Joey? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as écrit Abissi Bashi? Abissi Bashi? Abissi Bashi? Blam, blam, cul comment il tape. Bah moi je sais que l'Hélio il... Ah ouais, allez, ça, j'avais oublié. Je sais que l'Hélio il peut faire des gros dégâts avec la panneau là, genre, dès que je peux faire deux push, deux pou. Je cherche non, même pas. La gelure a pas fonctionné. Ah tu peux me retour spontané je pense, non? Bah c'est ce que je pensais. Non, quoi? Ça marche pas. Prémo. Alors j'aurais dû prémo plus loin, tac tac tac, on va ce prémo là, clic, clic, clic. Ah, j'aurais pu me retourner pour être sûr d'être bien caché, c'est pas grave, avec mes yappes. C'est quoi qui empêche la prémo sur Micule, enfin le retour spontané, la gelure hein. Salut Oscad, comment tu vas? Ah Oscad, regarde le concept au-dessus là. Deux fails par tour, c'est vrai que j'aurais pu mettre les classes aussi dans l'équation. J'ai pas pensé à le faire. Coucou, est-ce que tu sais pourquoi quand je tape Dofusbook, ça me met erreur 404? C'est vrai? Il y a un Dofusbook qui marche plus? Ah non. Bah écoute, peut-être que faut que tu changes de navigateur, essaye ou CTRL F5. Ah là là, quand je vais faire des sons, j'en ai Lio là. Ah, j'ai pas réussi à le faire. Voilà. Hop. Ah, ça va envoyer. Commence à maîtriser un petit peu. Bah, comme Janko a dit, on maîtrise un peu. Après, c'est pas non plus le... Pas non plus magnifique, mais ouais, c'est ce que je me disais. McDonald's, tu vois ma souris là, McDo, je pensais mettre la classe ici là, genre Xel, et ici Heliotrope, ou alors en dessous là, tu vois, l'icône Xel et l'icône Heliotrope. Faudrait l'icône des classes en fait. Je crois que je l'ai sur Barbofu. Les 195 HP, ça va tranquille. Après, tu peux te t'es tranquille. Je suis devenu un maître Xelor, mon gars. Enfin, bien là, ça y est. Non, j'ai dit que Mick le maîtrisait, c'est tout. Le filou. Ça va, pour une fois, c'est pas moi qui me fais tacler. Pas tué. Ça va arriver bientôt. En fait pas sur le boss. Moi j'écoute pas les rageux. C'est pratique. Ouais, du coup les icônes de classe, elles y sont pas sur Barbofus. J'ai vu qu'il y avait les Dofus, mais pas les icônes de classe. Let's go. J'ai réussi à passer le board side. Je savais que ça allait être redirigé dans le... Bien joué mec. Faudrait que je trouve l'icône de classe Heliotrope. Peut-être sur DofusDB. Et GG. Hop là. En vrai, on n'a pas besoin de ce heal. On se soigne quand même. Ouais, allez, vas-y. Moi, je me soigne, perso.
Ah, ce serait bien de tuer le crawler en premier. Faut que tu le repousses suffisamment, surtout. Juste que je le pousse, ouais. Allez, je vais faire comme ça. Je vais devoir jouer mon Xel pour le fight de l'Alma. Aïe, aïe, aïe. Y'a pas d'icône héliotrope, même pas sur Dofus DB. Non. Quel enfer. J'ai trouvé ça plus tard. Je pouvais pas plus le repousser que ça. Je te le laisse, tu le tueras. Ouais, ouais. Je vais aller me booster. Ouais, toi, remarque, je peux me booster sur lui, en fait. Bah ouais, tu te boostes avec lui. Cadran, tu mets synchro avant. Cadran. Hop, tu mets une prémo. Une synchro, si tu as envie. Oh non, c'est pas spécialement. T'étais trop vite, par contre, pour le deuxième. Là, t'as tellement vite défoncé. Ah, y'a plus rien. Ouais, y'a plus rien. Faudrait que tu prennes la place du mob quand c'est comme ça. Ah purée, je viens de comprendre pourquoi il n'y a plus rien. Parce qu'il se met invisible, avec Pula. Il est pas mort. Ah ouais, il est pas mort en fait, il a son spell. Il a lancé Pula et j'avais oublié cette histoire de truc de con. Et du coup, il est où? Il doit être là. Normalement. T'es DM, ceux des temples, c'est que du 62-62. Oh, c'est gentil, Flux, merci beaucoup. Ah, pourquoi pas? Enregistré. Ça pue, ça. Pourquoi pas le T? Le T, c'est le S. J'ai pas trouvé, du coup. Ah, ça y est, tu l'as trouvé. C'est grâce... Ah, tu lui as fait péter la synchro sur la bouche sans faire exprès, et du coup, regarde. Vraiment? Oh putain, ouais, regarde. Ça, faut que tu regardes le clip, c'est... Oh la dinguerie, genre il a fait péter sa synchro sans faire exprès quoi. Faites un clip si vous pouvez le chat. Pas mal, pas Par mal. Contre j'ai pas le temps de jouer du coup malheureusement. Attends, faut qu'on regarde comment t'as fait péter ta synchro là, j'ai pas regardé. Retour se monte. Et du coup t'as, grâce à ça t'as fait apparaître le mob. Non mais t'es juste un PGM en fait. T'as vu ça? Ouais. En fait si savait ce que le mob allait faire en invisible, vous vous rendez compte de votre streamer? Les IQ. Ah là 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 là. Complètement joué à côté du coup. On aurait dû mettre un coup de baguette. Ouais, je te laisse le crawl. Ah non, faut pas que je te laisse le crawler. J'ai cut les deux là. Quoi? C'est pas mal hein, comme ça là, le logo. Vous en pensez quoi? Il a fait un spell pour... Il prend plus de dégâts, ce chien, en fait. Il a fait un spell de partage de dommages, non? Je joue avec un yep, là. Ah oui, il interceptionne les dommages. Ah bah oui, c'est les blérums, Mikula. Les blérums, ils prennent tout. On fait un retour ici, ça va pas. Je me rappelle plus. On va juste remettre un bouclier. C'est tellement rare qu'on ait des blérums mensonges. Je me rappelle même tiens, plus. Tiens, je fais n'importe quoi. Après j'ai placé un virus en zone, ce qui a fait que il a pris masse de dégâts le... J'aurais dû mettre une prémo. Le Pula est reparti. Ah là là là, je fais n'importe quoi du coup. Forcément j'ai pas du tout pris le temps de réfléchir et en plus je suis une merde. Peut-être sur l'encyclopédie sur le site officiel. Merci Xbaba, c'est bon j'ai trouvé, normalement c'est pas mal comme ça. Merci beaucoup Touflux. Oh, salut Twix, comment tu vas? Je joue quel mode? Là, je suis pas de greffe strigide torqué. J'ai aussi le mode aurore pourpre, mais ça tape vraiment moins fort. Hein. T'en as rien vu. Si vous avez des questions sur le concept de 2 FPT, les amis, n'hésitez pas. Si vous voulez vous taper des barres de rire, je pense qu'on est sur le bon stream, là. Je croyais que tu l'avais tué, moi. Non, à chaque fois qu'il disparaît, c'est... J'ai pas regardé. En fait, je regarde pas la timeline, et du coup, je me suis fait baiser. J'aurais vu qu'il était... S'il était vivant, je l'aurais cherché. Là, il est mort, pour de bon, là. En fait, faut vraiment le focus direct, sinon...
C'est FF. En fait, ton tour de boost, genre, je pense qu'il faut pas le faire, faut que tu tapes T1. Bah, c'est ce que t'as fait en plus. Non, non, j'ai chié dans la colle. Rollback, on s'en fout, on n'a pas besoin. Essaye de pas die, hein, parce que... Ça marche sur les salles, d'ailleurs, si tu meurs? Non, quand même pas, je suis sur les boss. Non, mais les salles, c'est pas important, non, non, c'est sur les boss, je pense. Ouais, c'est mieux. Ah, si tu meurs ou si je meurs, hein, bien. Le pire, ça va être le Colosso, hein. Ouais. Pardon, le Colosso, le Cthulhu. Ah, ça va pas être drôle, hein. Cthulhu, c'est vraiment un boss facile à soloter, mais à duoter, c'est autre chose. Bonjour, bonjour, désolé, je vais peut-être te faire répéter, mais je n'arrive pas à jouer à Dofusinity. Salut Akura, c'est fermé. Il faut attendre que la phase 2 sorte, qui sort normalement aujourd'hui. Il faut attendre un tout petit peu. Bah, c'est pas le clip de Flux. Catastrophique là, mon tour. Alors, on peut envisager, c'est de mettre un portail, une prémo, de partir comme ça, comme ça. Alors attends. 1. 2. 3. J'ai le temps. Je vais mourir. Non. Ici. Alors, perso, comme le Xel manque de régène, je joue un mode crit, marteau égaré dessus. C'est vrai que c'est pas impossible de partir sur le marteau égaré. De toute façon, le Xel, vraiment. Oh la vache. Je sais pas si c'est ta classe préférée, Twix, ou si tu préfères l'Hélio. Mais vraiment, hein, sur les 19 classes, c'est vraiment la seule classe que j'ai jamais jouée, et je comprends encore mieux maintenant que je joue. Même quand t'es au putsch et que tu fais un très bon tour, je comprends pas que la classe fasse pas tant de dégâts que ça, en fait. T'es là, tu fais des tours 20, 21 PA, et tu fais les mêmes dégâts que n'importe qui, quoi, un crabe. Un fail et tu fais rien. Heureusement que ça fait un peu de placement, quoi. Le mode de crit égaré, c'est le must en PVM pour Xel. Ah, il faut vraiment que je vois, mais... Le problème, c'est que déjà, je mets un sac au cher. Si en plus, je mets un marteau égaré, je perds le bonus. Ça me fait 16% de crit en moins. Faut voir ce que donne le marteau. Ah, ça devient compliqué, après. Enlever le finisher hein. En vrai, vu que j'ai pas de finisher de toute façon. Salle 3. Et Zabardi. Zabardi. Après, elle fait des dégâts, hein, tout flou que ça. Bah, c'est pas faux. C'est juste que bah, ça fait quand même beaucoup de salto arrière, backflip pour si peu quoi. Tu ferais mieux de venir avec moi, je pense. En fait, je me dis que. Les refs sautent et tout. Ouais, t'as raison. Je vais focus le Volvero de toute façon. D'après Volca, c'est la meilleure classe DPT en mêlée. C'était la meilleure classe DPT en mêlée il y a 1-2 ans. Mais aucune idée de ce qu'il en est maintenant. Bah à l'époque où tu pouvais faire les spams aiguilles et tout, c'était tellement fort. Alors viens ici toi. Où toi? Et c'est bon copain. On va mettre une prémo. Synchro. On va se flou tout de suite. On va faire ça, ça. Tu vas être fin bien pour le tour d'après. Eh ben ça me rapproche. On fait toujours un PM gratuit. Bah ouais. Ce que j'aime bien avec le Xel, c'est ce contrôle de terrain, tu vois. Quand tu maîtrises vraiment la classe, tu dois avoir une vraie bonne sensation. Mais bah, ça doit être très clair. Frustrant de se dire que tu peux faire des gros dégâts, parce que t'as vraiment beaucoup de PA, mais que les dégâts sont très faibles. Vous voyez ce que je veux dire, un peu la nuance? Oh le chien. Oh, les doubles dégâts avec le virus, ça vaut trop le coup. N'oublie pas que t'as des sorts de zone comme Affront ouais, bah ouais. Ou... Justement, double virus et Affront. Regarde ouais, le voilà. Délire. Bien joué. Je l'ai démonté. Oh, la zone était incroyable, vraiment. Je suis en 4 feuilles, ordure. T'es beaucoup trop fort, Elio.
On va pas se le cacher. Même quand tu sais pas le jouer. C'est pas lui. Tu commences 1, à être... 2, 3, 4. Tu commences à être bon avec ton Xel là, ça y est, hein, putain. Je commence à comprendre 2, 3 trucs, mais être bon, c'est ouais. Un grand mot. Hein. Enfin, je veux dire, tu fais des bons tours. Des... Tu sais que je vais être TP là, mais. Tout le temps, ah non, c'est là. Aïe! Vas-y, c'est ça, ouais, Rox, moi, ma synchro, t'as raison. Profite-en. Ouais. Ah bah, je suis en multidocrite, hey, hein, 650, c'est le dégât d'une flamiche, baba. Ça, c'est ce que je t'avais dit, à chaque fois, ce qu'ils ont envie de faire, les mobs, c'est chiant, mais ils vont toujours focus sa synchro. Je sais pas comment que c'est, Sefi? Pied-bouche! Ah, ça me manque, hein. Xel, c'est un mec en sabre devant Indiana Jones, plein de moulinets pour la même chose. Ouais, voilà. Le moteur a été trop nerf, c'est vraiment le moins bon en PVM actu. Moi je joue principalement le Docrite, Marteau égaré, c'est assez tranquille, sinon en mode OR, c'est polyvalent. Là je suis en multidocrite pour du rock sur l'état pur quoi. Ah c'est vrai que Janko proposait, disait que pour étoffer ton vrai potentiel, il faudrait peut-être un peu de Lofi. Ton vrai potentiel, comment j'ai dit ça? Mon potentiel hein. Je connais le potentiel. Moi je connais mon potentiel. Ça fout ma gueule alors. Du Lofi c'est ça? T'es fou de mon gueule. Te foutre pas un petit peu de ma gueule. Attends, du vrai Lofi? C'est quoi sa faiblesse à lui? Terre frère. Ça fait... On va pouvoir en parler justement. Vous en pensez quoi le chat? On va pouvoir en parler, vous en pensez quoi de cette musique? J'aurais pu sinécure, j'ai pas calculé mes PA. Un peu dommage. Ah merde, le con, c'est vrai que du coup ça fait ça, ça. Petit chat. Je joue plus qu'à flip maintenant. C'est terminé, petit chat. T'es peu miaulé, je comprends plus ce que tu dis maintenant. Vous reconnaissez pas la musique dans le chat? C'est du Linkin Park. Je sais pas si je l'ai le marteau égaré, moi. Ah attends. Là, je me suis un peu bloqué. Ouais, le nouveau Linkin Park. Ils ont remplacé Chester, ça y est. Elle s'appelle Emily Armstrong ou un truc comme ça, je sais plus. C'est totalement cringe, Joey. La musique est bonne, hein. Mais ça devrait pas s'appeler Linkin Park et surtout tout ce qui se passe autour de l'affaire. Oui, mon chat, je vais t'ouvrir la fenêtre, j'arrive. Bah, il y a un move douteux, ouais. Il y a aussi pas mal d'accusations de la part du fils de Chester. D'une volonté de faire disparaître l'image de Chester. Ah, il y a un numéro qui vient de m'appeler, j'ai pas eu le temps de... Dommage. Ah, du coup, je suis déconcentré de fou. Il y a un problème aussi avec l'église ou je sais plus quoi, là. Enfin bref, il y a un truc... Ça tape qu'un mob. Ah, mais il y a le partage de dommages, mais oui. La musique est bonne, en tout cas, j'aime bien.
Alors. Hop là! Retour à la casa. Bon, du coup, on avait dit qu'on allait mettre du Lofi, hein, c'est ça? Alors. 1, 2, 3. Ah, voilà. Je recule, que je vais ici. Je ne sais pas ce qui se passe autour de l'affaire. Moi, je suis pas trop trop renseigné non plus, j'ai juste vu que ça crie un peu, quoi. Ah oh merde, une heure de file d'attente pour des places pour Imagine Dragon et t'en as pas eu. Ah, je suis deck pour toi là. J'ai pas eu le temps de cut. Ah, catastrophique. Allez, je reçois des appels en même temps là. Attends, faut que je note un truc. N'hésite pas à me dire si c'est mon tour. C'est pas ton tour. Pas pu mettre de... Hop là, enfermé. C'est ton tour. Ouais. Ah, j'ai Mirz. Ah merde, dommage Kirby. Tout c'est du drama, les musiques sont bonnes, la chanteuse défonce, perso je fais pas de politique quand j'écoute du son. Au moins, à moins que le groupe ait des accusations graves sur le dos, ce qui compte, c'est que je bouge la tête. Voilà, ça c'est une bonne manière de réfléchir et de penser. On est d'accord. Oh, t'as une synchro, mon gars. Pas sûr de pouvoir la ATP, non? C'est une synchronambour, là. La synchronambour. Bah si, tu peux la ATP, tu sais comment? Comment? Tu te mets ici. Ah, j'ai pas les PM. Avec le mob. Comment je fais? Tu te mets ici. Allez, sans les PM. Là, tu le fais revenir. Ah ouais, tu peux pas, ouais. Si t'aurais pris portail, ouais, non, même pas. Impossible. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a l'autre au fond de la map, là. Je l'avais oublié. Il fait que passe-tour et nous taper de loin, putain. Quel enfer, celui-là. Hop! J'ai bug PM. Maman. Je voulais surtout pas faire ça. Tant pis. FF. Interruption. Paume curative. Coup de cac sur barbe douce. Hop là. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu connais pas le tour de l'Hélio qui a raté sa redi, qui en a marre de sa vie? Il fait quoi? Il fait interruption, coup de cac. Passe tour. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça, c'est l'Hélio qui pète son crâne, ça. Ah ouais, je vois ça. Vas-y, là, on m'a déconcentré aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est... Ça doit être ce genre de problème, je pense. Ça doit être ça, ouais. Ah, j'ai oublié de mettre une arme avant. Non, faudrait. Aïe. Allez. Là, c'est facile, là, redis-tu, là. Je crois pas. Là tu recules à fond, t'en remets un comme ça, proximité sur le 2. Le 2 qui. Le proximité sur celui en diagonale avec moi. Ah, dommage. Là tu reculais là, t'allais par là-bas, t'avais la proximité là comme ça. Je sais pas si ça passe là. Là non. Dommage. Là la merde, proximité se fait ailleurs. Oh non, il a rendu invisible. Il est là. J'ai tapé à côté, mais il est là. Ah, désolé, là, je suis de la merde. Pas grave, hein. Oh,
Ouais, le portail disparaissait, là j'étais... Fallait pas que je passe dans le portail, surtout fallait que j'en remette un depuis la position, ouais. Mais le problème c'est que j'étais collé au mur, il, donc... Il y en avait un là par rapport à ce que je disais là, non? Non, il y avait un portail qui disparaissait, du coup il y avait plus de proximité. Attention, attention, spécial dédicace pour les barbus, bouffe-moi le cul au milieu. Du coup, ça coupait tout le... En fait, il y avait ton move, mais vu que le 1 disparaissait, ça le faisait plus. Alors, attends. Il nous reste la quatrième, c'est ça, hein, je crois. Ah ouais, on n'arrive pas à reculer assez pour le live. Je vais voir, voir le live complet. On peut pas voir la vidéo complète, hein. Non. Sad. Si je clique là, ce qu'il me semble, hein, mais je veux, c'est pour m'entraîner. Hein. Vas-y. Là, à ce moment-là, là, tu perds le 1. Tu traverses le 4, c'est pas grave, tu perds le 1. Mais ici, là, t'as posé un portail là. À partir de là, t'étais bon. Le 1, il est derrière toi, regarde. Et le 1, il est là, c'est ça? Le 1, il est... Non, il est soit derrière toi, soit à côté. C'est un des deux, là. Attends, on va mettre la main dessus, voilà. Donc normalement, il est... 1, c'est celui-là, ouais. Ouais, c'est... Non, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est celui-là. Parce que moi, du coup, je me suis dit que t'allais reculer et tu poses un portail. Comme ça, t'as une proximité, ouais, non, comme pas. Ça. Et tu viens là. Ouais, celui-là, il est fermé en parce fait, que t'as traversé, donc on va considérer qu'il est pas là. T'as donc vu que même c'est pour si ça tu que j'ai essayé de me rapprocher de toi, en fait. Même si tu perds celui-là, là, t'as 5 PM. Tu viens là. Non, j'avais pas 5 PM, j'avais 4. Bah, t'étais ici, t'as fait 1. T'as dû perdre un PM autrement, alors. Ouais, non, je suis pas venu ici, en plus, je suis venu coller à toi. Je suis venu coller à toi avec 4 PM. 1, 2, 3, 4, et j'avais plus de PM. Ah oui, t'as dû te déplacer deux fois. En fait, t'as dû c'est sortir, pour ça que j'ai voulu me rapprocher rentrer. De toi. C'est pour ça que j'ai voulu me rapprocher de toi, c'est parce que celui qui avait été derrière toi allait disparaître et je voulais donner la... essayer 4... de me rapprocher au max. Ok, t'as usé 2 PM, t'avais 4. 2. Donc là, avec 4, 1, 2, 3, 4, t'es ici, tu mets un portail là, c'est celui-là qui saute. Là, non, tu poses ici. Possible. Non, mais t'as quand même un truc qui était faisable, c'est ça que je veux dire, mais on l'a pas fait parce que ben, on connaît pas encore assez. Oui, mais oui, ici, non, je suis non. sûr que t'avais une redi. Il y a non, forcément un truc, genre tu mettais un portail, je sais pas, moi... Si j'avais le temps, j'aurais convulsion, je me serais collé devant ton perso, je mettais un portail et la redi, elle tapait dans le 3 que tu vois là actuellement. Je me mettais juste devant ton perso et c'était bon. Tu perdais celui-là. De toute façon, en fait, je peux pas parce que j'avais utilisé le portail, il était plus utilisable déjà le 1. Fallait, je pouvais pas en replacer deux. Enfin, en vrai, j'aurais pu faire un truc, hein. Mais il y avait quasiment... C'était galère, ouais. C'était galère. Ok. Je pense qu'il fallait juste que je convulsion pour que ça passe, en vrai. Attends, on a fait la... On est déjà au boss ? Ouais, on a fait 4 salles, oui. Oh là là. C'est donner les reliques, c'est ça ? Donc t'as fait ça, 1, 2, 3, 4. T'enlèves celui-là, la proximité est là, effectivement. C'est compliqué. Si t'avais posé un portail plutôt que celui-là, tu l'aurais posé ici, t'aurais eu la proximité là, peut-être. Ouais, t'as vu, en fait, je voulais me rapprocher de toi justement pour avoir la proximité dans l'audio, dans ce que tu montrais. Il y a un truc, c'est hein. Ça. Il y a sûrement un truc. Ouais, fallait juste convulsion, en vrai. J'avais des PA, donc là, je faisais convulsion deux fois. Avec mes PM, j'allais le plus près possible du portail 3 et j'avais la redi. Bah oui. Mais j'aurais pu un truc un possible. Ah ouais, c'était possible. Faut pas être défaitiste, le chat. Attends, y a toujours un truc. C'est moi ou c'est un labyrinthe là pour le boss? Ah non, t'as juste deux salles à traverser. Ouais, y a 4 salles, ouais. J'étais perdu, mec. J'avais pas mon tom-tom. Alors, premier boss, le colosso. Ah, ça parle en anglais dans le chat, qu'est-ce qui se passe? Ou en brésilien? Au Brésil, nous avons du pain appelé pain français. Et c'est le plus populaire. Breakfast food, c'est le plus populaire, la nourriture la plus populaire au déjeuner. C'est ça, non? Ouais, effectivement. I really would to like learn French and you enjoy your stream. Welcome to you, Ryan. My English is bad, but if you have some question, you can put in the chat, and I think. My mate can talk with you and me, but my English and comment on dit prononciation, pas ouf quoi.
Bah, tu dis que tu don't speak English very well, quoi. C'est quoi ton outil de dessin? Ça s'appelle Lightshot. C'est pour prendre un screen. Les amis, nous sommes sur le premier donjon. I can't speak English. I can't speak a good English. Nous sommes sur le tout premier donjon normalement. Bon, on a quand même fait Fuji avant, donc techniquement, finalement, c'est le deuxième. Colosso sur l'aventure 2 FPT. À ne pas se tromper avec autre chose. 2 FPT, ça va pas être évident. On va voir combien de temps on va mettre pour ce petit Colosso. C'est parti. Oh non, chien Shonen. C'est dans Naruto, ça, non? Shonen. C'est dangereux là ce que je fais. Alors oublie pas que pour Deloc le boss c'est forcément une invo, donc Arachné fin de tour par exemple. Ou alors moi je le fais péter avec une synchro, c'est quand même un peu plus difficile, c'est un peu cher. Ça coûte même du coup 5 PA on peut dire. Je le Deloc là. Ah bah non je peux pas, j'ai pas d'invoque T1. T'as pas l'Arachné T1 normalement. Non tu fais une redis et puis on peut tuer quoi. Oublie pas de toujours fermer. Sachant que le Colosso joue avant toi, juste bah regarde CPM, t'es pas obligé de fermer T1. De toute façon, de fermer T1, généralement, ça sert un peu à rien. Sauf si le boss est... On peut en utiliser, quoi. C'est ça. Coucou, Elsa. On peut trouver le... Où est-ce qu'on peut trouver le... la rêve de ta lampe LED? Tu parles de celle qui m'éclaire ou celle qui est derrière moi? Est-ce que tu veux que je te floue? Tu perds des PA, mais... Tu en gagneras T3. Pas de réponse, du coup, tant pis. Je regarde beaucoup de LOL Miraz, ouais, en e-sport. Là, actuellement, je suis pas, vu que je suis sur live de barbe, je suis pas trop en train de... Il se passe quoi? J'aurais dû me sécuriser l'attirance du boss. Tant pis, Biculin, je t'ai pas fou, comme tu m'as pas répondu. Ah, pardon, excuse-moi. J'avais même pas entendu que tu m'as demandé. Comment je peux faire? Il y a le Didi, quand on fait un clip, il y a sur Discord, ça spam. Ah oui, effectivement. Je vais le désactiver. Je vais trouver comment, mais je vais le désactiver. Faut que je réfléchisse par contre, attention. J'ai pas eu le temps. Ah merde. Faut que je libère le boss. On va fumer le crawler, je pense, ça vaut le coup. Ouais, ouais. Maintenant, il est. Fais gaffe, il est sacrifice par l'autre. Ah ouais, j'en profite quand même. Ouais, tu vas le fumer comme ça. Alors. 1, 2, 3, 4, j'aurais dû pouvoir le retour encore. Je vais aller regarder ça pour le bot à côté. Alors, le bot qui ping pour les commandes pour les commandes de clip, ça doit être dans des commandes globales. Commande viewer. Non, c'est une commande globale, je pense. Où est-ce que je peux voir ça? Ça va être dur, hein, faudrait que je trouve. Bon, le crawler, pas moins que j'arrive. Le pyrome est presque mort, gros. Si jamais. Bien vu. Ouais, c'est cool, j'ai réussi à éloigner le Xa comme je voulais. Le crawler, il va y passer. On n'aura plus qu'une fois que... On fait pas Xa en premier, hein, sinon ça booste le Colosso, c'est ça. Quoi qu'on s'en fout, en fait, il ne touchera jamais le Colosso. Le Colosso, ouais, c'est vraiment un plot. Hein. Ouais. Ouais, donc on fait l'exemple juste après le crawler. Ouais, on peut. Ouais. On peut enfin, sauf si tu fails en laissant par exemple une invo et que le boss tape, sachant que le boss en fait il inflige des coups. S'il tape là par exemple, bah, jusqu'à ligne infinie,
Il va toucher jusqu'à l'île infinie sur toute cette zone. Enfin, c'est plutôt comme ça en vrai. C'est dangereux ce que j'ai fait là. Surtout laisser open. Et en plus, le colosso va te bouffer. Bah, c'est ça. Il va te croquer. Ouais. Est-ce que tu peux pas le faire reculer assez? M'étonnerie, mais. C'est pas mal déjà. Ouais. J'aime bien, j'aime bien. Parfait ça. Non, c'est un blaireau-micule. C'est un chien. My bad. C'est bien, t'as une petite rodille en plus. Ouais. Faudrait que je fasse. Tu traverses et puis tu utilises. Ouais, portail Diago. Ouais. Détruire l'Oxa, ça tuera le blaireau en même temps. C'est quoi les. Ah bah non. Ça a fait disparaître. J'ai pas regardé du coup, ça a fait disparaître l'autre. Oh no. Fallait poser avant, effectivement. De là-bas où t'étais, tu pouvais reposer un portail, traverser et reposer un portail en bas. Ouais, bah oui, mais j'ai pas regardé du coup. Mais c'est bon, ça va. Ça va le faire. C'est my bad. Moi, je pense que je vais faire un tour boost. Mon mauvais. Un. L'Epsydre. Deux. Mémo. Non. Fasse ça. On va consommer ça, tiens. Pour booster le glas. Vas-y. Est-ce que vous allez bien dans le chat? Ça parle de quoi, là? J'ai vu que ça parlait de théorie du complot, c'est quoi ce bin, ça? Vas-y, viens la mouche, que je t'éclate. Oh, c'est quoi cette relique cadavérique? Encore. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de mouches qui me tournent autour pour un mec qui prend presque deux douches par jour. Ouais, peut-être que j'arrête de me laver avec de la merde. Peut-être pas le meilleur truc à faire, ouais. Oh. Bon, ça va, j'ai réussi à me soigner et à mettre un petit tour au. Alors, nous allons au Rambo. Nous allons Primo. En fait, le Xa, faut que je le tape vers le fond avec du dos. Voilà, je suis en train de regarder. Okay. Nickel, pixel, mec. Il est presque tué. Presque. Bah, c'est mieux que tu le tues pas, comme ça tu me bloques la LDV au cas où. Par contre, le portail ouvert, moins bien. Tu vois là, par exemple, là, les dégâts du boss, le Rasputin. Ça, c'est dangereux, ça. Vraiment que tu fermes tes popos hein, tous les tours. Ah ouais. Il y a une théorie sur ton crâne plat et pas rond. Vous trouvez que j'ai un crâne plat, moi? Premier degré ou pas? Ça va. Franchement, non. C'est qui dit ça? C'est Mirz. Je sais pas, je demande. Et il voulait faire la vanne comme la théorie de la Terre plate, je pense. Le 1 part ici. Il a touché quoi encore là? Oh, on s'est quand même pas pris deux Rasputin en deux tours. Hein. Ah, c'est la synchro, il a réussi à me toucher d'ici? Ah, c'est pas moi, c'est la complice. Complice, ok, c'est cool. Ça va. J'ai été con, là, par contre. Un crâne magnifique. Merci, Birium. Pas assez de PO pour le toucher, de toute façon. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, là, pour la team de FPT? Ah, je bégaye, là. Ça fait 3 tours qu'on joue plus, là.
Ouais, mais le crawler qui se met au fond de la map, c'est vraiment pire que... Ah, c'est le bon truc pour les Ruddy Helio, tu vois. Vu que je guette pas, que je suis pas focus, bah... Galé get get, Mikul. Allez, je vais me Faut pas perdre de point de vue focus, ça là. là, Galé get get. Oui. Ah là, par contre, tu m'as mis en... T'as rollback et tu m'as mis en ligne avec le crawler, là. Non. Ah! Ouais, c'est vrai Tant ça. pis, hein. Tant pis, hein. On va faire avec, hein. Mais le problème, c'est que j'ai 1200 HP. Je risque peut-être de die. C'est bon. Ah mais les portes ont ouvert. Ouais, mais normalement, il n'y avait pas de problème. Même pas trop mal en vrai. Ouais, c'est bien. Pourquoi quoi, monsieur Torel? Je vais jamais réussir à les avoir. Hein. Bah ouais, à chaque fois que tu fais une prémo, ils vont de l'autre côté, ces bots. Ah ouais, mais du coup à chaque fois je fais en fonction de... Comme si les portos étaient pas ouverts, tu vois? Ouais, bah Faut que je oui, non réfléchisse à mais ça. là... Hein? Tu m'as TP au piaque du boss? Oh Pas non. voulu. Ce n'est Oh pas non. voulu. Aïe, 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 aïe. C'est peut-être le retry. Aïe. Ah, très de mal. Combien? Ce qui tape. Le boss là, Aïe, bah. Ménarakné avant, Ménarakné. Ah ouais, t'inquiète, Ouf. c'était prévu. Le problème, c'est que j'ai pas la bonne redi là. Tant pis. Oh la tartine que je viens de Ah prendre. si. J'ai la bonne Ouh redi. yeah, yo. Oui, yo, oui. Effectivement. C'est marrant, pourquoi ça marche pas pour Nitrax le point d'exclamation clip? Peut-être qu'il y a un truc spécial modo, je sais pas. Vas-y, dégomme le mon ref. Là, normalement, il va te rusher par le bas. Ce qu'on va faire, c'est mettre une prémo. J'étais où, moi? J'étais loin. Donc, on Et va pour l'instant, faire. c'est du first try. J'avais pas dit que ça allait être plus simple pour notre compo Colosso que Fuji Tengu, c'est sûr. Attends, c'est pas fini. Ouais, c'est GG là. Tant qu'il est déloc. J'ai juste à faire mes portails tous les tours maintenant. Il nous touche jamais. Puis toi, tu reviens à ta place à chaque fois et c'est bon. Ah là, il touche l'arachnite, mais une tartine. Oh purée, c'est moi qui suis mort. J'en peux plus de cette mouche! Putain! Pas Ah mais possible! il y avait ta synchro là ouais. Ah oui c'est ça. Je reviens, je vais chercher la raquette Explo. Vas-y moi je. Une mouche ça fait au moins 1 heure elle lui fonce dans le visage là. De pauvre. Attends. Oh le chat. Ce sera rien. Attends j'étais comment? Ah j'étais comme ça tout à l'heure ouais. C'était vraiment pas mal je pense. Ah, je l'ai adoré, moi, le coco hydration. Je l'ai adoré. Ah, peut-être le sous-dosé, ouais. Alors, on va prendre ça par là. Prendre ça par là. Est-ce que tu veux que je te floue ou pas? Wow. Comme tu veux, ouais. Pas obligé, C'est hein. pas mal pour Ça te défoncer fera le un 2. Baron T3, ouais. Ouais, Un gros T3. parce que de toute façon, on n'arrivera pas à tuer le crawler et puis il va. Faut qu'on full fume le Baron en peu de temps, donc ce serait bien. Ouais. Être pas mal. On peut En dire vrai, ça, Janko, j'aurais peut-être dû me rapprocher. Mais... ouais. Ouais, y'en a plus. J'ai cru. Salut Barb, sais-tu qui a un retour sur les Sadiens en PM? Tu veux savoir quoi? Quel élément joue 190? Je fais tout le leveling en feu, incroyable, mais je me dis qu'il est temps de changer. Je crois que feu, c'est le meilleur quasiment tout le temps, mais... Arrivé 200, tu vas surtout jouer... multi-puissance, Red PM, je pense. Sinon, le mode terre a l'air sympa aussi. Il y a Shibae dans le chat, McDonald's il s'appelle, je crois. Oh le con. Oh, ça va en vrai. Ça va, ça Pourrait va. t'aider. Je fais quoi, un focus du Blérom? Ouais, je pense. Hein. Parce qu'il a de toute façon, il a. On va faire comme J'aurais. t'as, là, on les tue une fois et Peut après pas on tue plus utiliser là. Hein. à cause de C'était bien notre portail. premier try. Je suis deg. Peut pas. Ah, tu peux pas. Mais si, tu peux te mettre.
Vous pouvez te mettre de l'autre côté. Ouais, mais ça aurait été compliqué. Vous pouvez te mettre en ligne. Attention, attention, spéciale dédicace pour les barbus. Barbu, bouffe-moi le cul. On aurait peut-être fait un retour spontané et après t'avais peut-être ce que tu voulais, je sais pas. J'ai oublié de mettre une prémo. Ah, ah. Après, je peux toujours me retour spont. A plus, monsieur Miarz. Moi, je te conseille de jouer sur ton SRAM un seul élément. Si t'aimes bien jouer SRAM feu, pourquoi pas. Après, personnellement, j'ai une grosse préférence pour le SRAM terre, pour faire du vrai rocks. SRAM air, pour tout ce qui est solotage, et jouer sans trop utiliser ton QI. Et sinon, SRAM eau, c'est super sympa en mêlée pour les combats de quête où tu dois face tank. Il a pété ton complice, ce salaud. Waouh, c'est quoi ça? Tu m'as fait peur. Purée, j'ai eu peur de fou. Bah, c'est Tornade qui vient d'arriver sur le chat. Ça fait longtemps, Tornade, comment tu vas? Attendez, faut que j'arrive à jouer quand même. Alors. Vite. 1, 2. Comment va Tornade? Ça fait longtemps. 1, 2, 3. Aïe aïe aïe, j'ai pas réussi à jouer. Je peux pas faire autre chose en jouant Xelor. Je peux pas. C'est pas possible. Je suis obligé de pas vous lire dans le chat. Si je veux jouer correctement, je dois vous ignorer. C'est très difficile pour moi. Sachant que vous êtes ma priorité absolue tout le temps. Merci Tornade pour le Prime, ça fait longtemps, comment tu vas? À chaque fois, il me manque un spell, genre Prémo. Ah, j'ai pas le temps de jouer, j'étais trop long. Ça pue du cul de fou, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas le temps de jouer. Oh, mais j'avais un pur tour en plus, j'avais tué le crawler, je suis dégoûté. Bon, ça va en vrai, c'est pas perdu. En vrai, il vaut mieux qu'ils tapent sur moi les mobs que sur toi, hein, en soi, parce que moi, je peux me rayon de wack facilement. Bien vu. Ah merde. Bien vu l'aveugle. Merde, il était mort. Pas trop dispo les vacances, c'est pour ça que j'étais pas trop là. Pas de soucis. Bah sinon ça va. Putain, qu'est-ce que j'ai bon. Ah, il a chopé un truc. Tant pis. On joue comme des cons. Ouais, on joue mal là. Yo, c'est quoi le stuff de Lio? Pas de greffe, strigite, torqué. Salut Amnésiac. Les viewers, à force, ils vont plus poser la question sur Dofus. Le « c'est quoi votre stuff ?» Je pense. Parce qu'on joue tout le temps pas de greffe, strigite, torqué. J'avoue. On fait pas mal, le tour là, on est bien. On peut dire qu'on s'est rattrapé un peu. C'est bien quand les gens ils demandent « c'est quoi ton stuff ?» ça... En général, ça veut dire qu'ils pensent que tu tapes bien, non? Je sais pas. Pour le coup. Moi, ce que je vois, mais bon, pas forcément. Après, Elio, je pense que tu lui mets une panneau en carton, ça tape bien. Quoi. C'est pas mal. Le Xa, je vais me le faire. Vas-y, rapproche-toi là. Hop. Ça. Comment ça? Je joue sur Meman, Janko. Fait. Ça. Vita. Une synchro bien boostée ou dit, ouais, ça fait des gros dégâts, ouais. Merci pour le follow Matsu. Ouais, non, j'ai jamais été sur Summons, moi, Clem. Mais man, ou E4, si tu veux, mais... Ah, tire le parfait. Si tu te mets derrière le Xa, t'as peut-être un téléphrag, mais après, tu vas te tacler, quoi. Allez, le jeu.
Alors, monsieur Luxa, on ne cuic plus avec son fauteuil? On aurait peut-être dû se traverser avant. Attention, si tu le tues, le crawler va te détruire. Voilà, tu vas prendre moins 8 PA là. Non, ça va, il enlève pas beaucoup à chaque fois. Je pense que je peux le tuer avant. En plus, moi c'est pas ça. J'ai juste viré le colosso après, et puis là j'invoque une arachnée. Je mets une redit pour le tour prochain, et puis c'est pixel. J'aurais pu le tuer, Luxa, mais vu que tu m'as dit que ça allait me défoncer, j'ai préféré ne pas le faire. Ça fait mal, ouais. Attends, le crawler a été tué déjà? Non. Non, non. Ah non, bah si, tu vois, c'est pour ça que je pouvais le tuer, c'est bien ce que je me disais. Ok, j'aurais dû le tuer en fait. Quoi. De toute façon, il m'a pas enlevé de PA, il a pas joué, donc ça revient au même en vrai. Si, Mikul, je déloque là avec le boss, mais il faut que dans ton tour, ça tue mon arachné. Hein. Ouais, vas-y. Tu fais une redit dans le boss et tu tapes un faisceau, suffira à tuer l'arachné. Mais là, j'ai zéro redit là. Ferme, tu mets deux portails. Avance de 1 et tu fais saut. Ouais, ça marche aussi. Ouais, juste plus taper en même temps quoi. Ferme. Ouais. Nice. J'avais peur que le faisceau tue pas, mais du coup c'était sûr que ça tuait en fait. J'ai pas regardé les PV de l'arachnée. Par contre il m'a défoncé le colosso là. Ouais. Je me dis pas, c'est chaud. Quand il est délocs, il tape de loin, c'est ça? Allez le jeu, purée! Pourquoi mes clés qui marchent pas? Ah putain, je crois que c'est parce que j'étais sur gelure, et gelure je l'ai fait deux fois sur la même cible. Ok. À mon avis c'est pour ça que ça marchait pas. Faut que je redémarre le jeu aussi parce que je trouve que ça lag un peu quand j'essaye de lancer mes sorts. Merde, je te vole de vie sur toi. Oh, c'est une horreur. Je le fais pas. Bah, bouge d'un PM avant de le faire et c'est bon. Ouais, je peux. J'aurais juste faire. Ouais. Ouais, ça va, en vrai, je meurs pas de toute façon. T'as pas remis d'info ? Faut qu'on arrive. Non. Mais là, on peut le tuer là. Enfin, il est encore. Et il va se relock là ? Là, on peut pas le tuer, non. Et il va se relock là tout de suite ? Bah, il est délock que pour un tour à chaque fois. Ok. Alors, 1, 2, Epsidre. Et là. Si je tape là. N'oublie pas que tu peux pas le faire de dégâts, tu dois le déloc avec une arachnée là. Ouais. Salut Isal, Isaac Orokam, la bêta est fermée. Salut Jojo Popouette. Jojo Popouette. Attends, elle a 7 PM ta machine là? Juste là de 2 avec la convulsion. Convulsion, ferme portail. Aïe. Ah ouais, vous pouvez juste directement dans le portail, convulsion. Ça pue. Hein. Mort. Retry. Ah putain! Et j'avais c'est un tour, reparti. En fait. C'est dommage, j'ai fait de la merde. Je pense que j'avais un autre tour et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pas compris. Hop. J'ai fait de la D. Hello, la bêta réouvre quand et où, à quelle heure? Salut à toi, fils sensei. La bêta est fermée pour la phase 1 et la phase 2 ouvrira aujourd'hui, on ne sait pas quand. Il n'y a pas de date d'horaire indiquée.
Vous êtes prêts? J'avoue que les questions sur la bêta, c'est ouais. Ça revient souvent. Bah c'est normal, ils ont des. Ils n'ont pas la réponse, c'est marqué nulle part, il n'y a pas de communication. Ouais, moi je peux commencer là. La com, hein, la com. La phase 1, c'était recommencer à 0. La phase 2, c'est l'importation de nos persos de 2.0 sur Unity. Tellement fait de la merde à la fin. Ça, on aura nos persos de 2.0 version Unity bientôt. Même la commission, il n'y a pas. Junko. Peut-être qu'il a pas beaucoup de faiblesses, c'est ça qui est chiant. Et du coup, à la fin de la phase 2, il n'y aura pas de wipe dans ce cas. Si, si. C'est juste un test. Les bêtas, c'est des bêtas, hein. C'est pas des alphas. Il n'y aurait pas du cut, en fait. Ah, si, pour le prochain, c'est peut-être pas déconnant. On sait jamais. On aurait pu s'en servir un peu. Il mange pas des masques, il vient de se passer. Ouais. Après, tu peux taper en restant au cas que tu bosses. T'en foutais, de toute façon, t'allais revenir à ta place après. J'aurais pu le libé, ouais. Même pas libé, hein, juste ne pas le toucher. Primo. Alors, 1, 2. Comment ça, tu me heal là? C'est quoi ça? C'est la zone de mort faible. Ah, bah oui, c'est vrai. Exact. Ça c'est pas le taf ça. Quel perso de merde le Xen, vraiment. Nul. Je suis nul dessus hein, mais vraiment. On comprend qu'il y ait personne qui le joue en PVM hein. Catastrophique là. T'as pris deux sauces mon gars. Ouais. Si à un tour j'arrive à te virus, ça serait bien quand même. Ouais, je vais essayer de faire en sorte que. Ouais, le compte à rebours en Eloxel, ça va être sport. En plus, t'as été affaibli, donc là tes dégâts. Là. On a le Xa qui va me retirer des PA, ou je sais pas s'il va pas venir sur toi en vrai. Ah si. Yo, monsieur Lesh. Ouais, bien sûr, hein, Janko. Hein. Il va y avoir pas mal de donjons qui vont passer. Mais en vrai, les dégâts sont nuls, hein, vraiment. J'aurais pas dû faire les tests au putsch en fait, j'aurais dû me garder l'espoir de voir de vrais dégâts. Ah, ça marche ce moment. Pour un mode de crit, déjà tu as des mauvaises variantes pour moi. Ah ouais? Après, j'avoue qu'il y avait 4-5 Xel différents hier sur le live et personne n'était d'accord sur les sorts à choisir. J'avoue. Je pense qu'il y a surtout pas énormément de main Xel en ce moment. Quoi. Ils ont tous un avis différent. Ça. Mmh. Ah, c'est pas faux. On va partir. Hop. Partir aussi là. Partir un jour. Sans retour. Il va pas me lâcher lui. Hein. Vraiment, hein. C'est devenu mon pote. Lâchera, mon meilleur pote. Et re Gligo, ça va et toi? Salut Bunny. Xel, c'est pas possible de le jouer, moins déplacement, plus de dégâts directs comme les autres persos, par exemple, Rayon Obscur, ça tape fort, il me semble, combiné au portail, ça devrait taper fort. Ouais, bah alors dans ce cas, on joue pas Xel aussi, vous dire. Hein. En vrai. Sinon, si tu utilises pas le système de PA là, tu tapes pas grand chose.
c'est là. On en retry, hein. Soon. Ah bah, c'est... on retry. Pas mort encore. Ça va, le Xa... Oh, j'ai cru que le Xa jouait, ça va, en vrai. T'as un monde où tu peux ne pas te faire toucher par le Xa. Alors, on va faire après, est-ce comment qu'il faudrait pas que je te virus. Il où le... Non, c'est bon. Tu le trouveras pas, le crawler, ouais. Impossible. Eh bah... Mon retour spawn, il est là. Donc on va faire 1, 2... Il doit pas être très loin de toi, hein, cela dit. Le problème, c'est ça, c'est voilà, je joue virus, mais je fais comment pour te heal quand c'est comme ça, à part paume curatif, je peux pas faire grand chose. Hein. J'arrive pas à mettre de l'herbe dans l'havresac, comment tu fais? J'ai un havresac qui dispose du carré d'herbe, genre ça doit être paysan. Chaque havresac dans Dofus t'apporte son lot de pièces personnalisables. Plus t'as d'havresacs différents, plus t'as de pièces personnalisables dans l'havresac. Je pouvais rien faire pour toi. Tant pis. Quand tu vois un mob qu'on focus, n'hésite pas à lui mettre une distrib, comme ça moi quand je m'approche, je me soigne dessus. Ouais bah ouais. Après le problème c'est qu'on focus c'est pas du tout le même mob quoi. On devrait. Bah ouais. Je pensais qu'on devrait. C'était crawler mais... Mais apparemment... Hop, 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 hop. Le problème c'est que si on se le dit pas bah... Ouais, c'est compliqué là. Il y a forcément un. Si on se dit pas qui on focus, il y a forcément un tour où on va pas focus. Bah, déjà, l'ordre de base, déjà, c'est de tuer le blérum, parce qu'on n'aura pas le choix. Ensuite, ah oui. Next, on tue soit le boss, soit le crawler. Et c'est ah, toujours le dernier. Ça va dépendre des redis, surtout, je pense, de ce que des dégâts que j'arrive à mettre. Un coup, je joue premier, un coup, tu joues premier aussi, comment ça se fait? Non, non, tu joues premier tous les tours là. Non, le combat d'avant, je jouais deuxième. C'est pas normal pour le coup parce que... Ouais, je crois hein. Bah normalement y'a rien qui change. Je me trompe pas. Et peut-être pas tous tes points de vie. Peut-être ouais. Moi pour le coup quand on est full point de vie je suis forcément deuxième. Je me fais si peu de t'as vu Gligo t'aimes bien. Là l'overlay il est stylé hein. Ça va il est pas overlay. Il est overbeau. Mais non. On va mettre une clepsydre par là. J'ai pas besoin de ma prisma APM, du coup, faudrait que je mette autre chose. Comment c'est possible que je me retrouve encore au corps à corps du Colosso? Ouais, c'est pas très grave. Non, l'aventure se passe pas très bien là, Gligo. Là. On a mis 1h30 sur le Tengu, enfin sur le Tengu Fuji, et là ça fait 1h10 qu'on est sur le Colosso. Pour l'instant, hein, tant qu'on apprenne bien à jouer. Après, il allait presque passer au premier try, mais ouais. On a chié dans la colle. Hein, sur... Presque first try. Merde, j'ai tapé en plus, j'ai. J'ai fait bon, en fait, je crois. Seul. Exactement le même try qu'avant là, hein, sur le placement et tout. On a fait exactement la même chose. Ouais. Là je pense pas que t'étais obligé de reculer, après ça te bouffe rien. De reculer, je l'ai pas reculé hein. Il est parti sur un rollback ouais. Ok ok, bon, nickel. Là c'était mieux joué du coup ouais. Ouais je pense que j'ai mieux à faire mais j'ai pas changé mon tour donc Juste que le Xa va encore m'emmerder quoi. En fait le problème c'est que je fais pas de dégâts sur le blérum. Ça qui est chiant. Okay. Le Xa va me boycott. Je serais toi sur le Xel, je jouerai un stuff d'Ocrit Ravageur, ça permet de la souplesse, les sorts O génèrent des PA pour les tours suivants, une mode agi permet de faire des dessèchements qui vont me permettre de bien clear. Et la hache assassiner n'importe quoi entre deux combos. Bah écoute, je pense que ça tape moins fort pour la même chose, en vrai. En plus avec moins de crit. Ah
top. Ça sert à rien. Moins 3 PA. Il reste pas trop près des portails quand même, parce que le boss a assez pour aller coller sur un portail. Mais j'ai fait exprès de pas de cut parce que c'est tranquille. Ils ont juste les PM tout pile. Ah, j'ai focus ça du coup, vu que je pouvais. Le but c'est juste de duo et aucun de nous deux doit mourir, Lego. Ça dépend de ton mode, mais mon Rava il est à 100% et le coup de hache lance un petit 3K bien exploité. Ah bah c'est bien ça. Le aucun de nous deux doit mourir, ça fout la merde. C'est ça le challenge en fait. C'est chiant ça. J'ai de la dé là. Ouh, j'ai fait du bon caca. J'ai fait un tour explosé au sol. Comment ça, t'as coup de baguette à pas crit? Parce que je suis pas à 100% à cause du saco. Là, faut pas avoir cut par contre, mais j'ai merdé là. Je peux le renvoyer, fermé. Ouais, bien sûr. On ne sait pas à quelle heure commence, les amis. Bah, taper par les portails de l'héliotrope avec le Xel, les amis, c'est très compliqué, à part en dégâts directs. Ouais, puis c'est surtout que ça nique ses mechas, ça sert pas à grand chose. Bah là, j'aurais pu, là, hein. Il aurait fallu que je me retourne spontané et puis j'utilisais tes portails. Là, j'aurais pu. Yo, j'aimerais découvrir le Xel. Alors attends, je m'occupe déjà de mon tour parce que sinon, j'aurais clairement pas le temps de jouer. Ah, le plus dur, c'est dès qu'il y en a un qui meurt. Sinon, c'est géré tranquille, hein, vraiment. Après, j'ai la classe qui fait que c'est vraiment facile de soloter une fois que t'as des portails à chaque bout de la map, donc y'a rien de compliqué. Merde de con. J'ai fait n'importe quoi. T'inquiète, hein, vu tout ce que j'ai fait avant. En vrai, si tu restes pas trop loin du crawler, je peux peut-être te para... Te virus, pardon. Ah, c'est chiant. J'aimerais découvrir le Xel en mono, mais tout le monde me le déconseille, tu en penses quoi? Salut Miam Miam les crêpes. Si tu comptes faire du PVP, je pense que ça peut être sympa, mais en PVM, ça reste quand même une classe que... qui pue, quoi, en fait. Hein. Elle est bien en solo, mais... elle tape pas très fort, ses tours demandent beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Salut Barbe, message interrompu, j'avais passé sur le réseau, comme quoi tu étais pas à 100% de ta forme en ce moment, je regarde le stream... en lurk, mais je t'envoie tout mon soutien. Salut Cryozola, merci beaucoup. J'ai fait le pire tour là pour l'instant. Là, celui-là il était... Je sais pas, ce fight là, j'ai fait n'importe quoi. J'avais bien géré jusqu'à présent, mais là, ça y est, je bégaye. Et en plus, il va nous invoquer à chaque fois le truc qui partage les dommages, donc... c'est horrible. C'est pour ça qu'il faut pas focus Xa en premier, il faut absolument tuer le crawler d'abord en fait. Faut qu'il réinvoque le crawler parce que sinon c'est trop chiant. A chaque fois il réinvoque un mob qui partage dégâts, on peut pas le focus. Ah bah il va venir taper une complice, ça c'est bon, il peut pas. J'ai envie de péter mon crâne, hein. Comment le Xel, c'est pas ouf. Pour taper avec les portails, faut qu'il ait une rodie pour que ça tape dans les portails. Attends, quoi? Pour taper avec les portails, il faut une rodie pour que en tapant dans les portails du milieu, ça tape proche de l'ennemi et de l'autre pour les alliés, ou juste garder les tours là pour les portails. Bah en fait, faut juste utiliser les sorts qui téléportent pas symétriquement par rapport au lanceur pour taper dans les portails, c'est tout. Ouais, c'est ça. Juste ça. Parce que si tu fais frappe du Xel, on a vu tout à l'heure l'exemple, ça téléporte le truc à l'autre bout de la map avec une grosse rodie. Ce qu'on peut faire, c'est ça.
Tant qu'il me touche pas. Le Xa va me kick PA. Alors attention, la frappe du Xel à travers portail, ça envoie toujours symétriquement par rapport à moi, Benek. Du coup, si moi je suis trop loin, ça envoie dans à Tatawin. Hein. On a peut-être que le clip de tout à l'heure est disponible, mais si par exemple le mob il est là et que je frappe de Xel à travers portail en partant de là, bah il faut aller dans l'extérieur de la map. J'ai chié. Ça va être à retirer que 2 PA. Des fois, il vaut mieux prendre le retrait PA que... Je vais jamais pouvoir m'en sortir, hein, par contre. Hein. À chaque fois, les mobs me rushent que moi. Ouais. Bah, si tu veux que je te laisse les portails ouverts, faut pas hésiter à me le dire. Hein. Non. Ça peut t'aider, hein. Moi, je joue en fonction et je repousse les mobs et... Sauf que là, bah, j'ai un peu chié dans la colle, là. Le Xa va y passer. Moi aussi. Parce que mon complice va se faire tuer par le boss. En me tuant moi. Ah, ça va. Wow. Pas mort, mais si tu tues pas le Xa, je suis mort. Ouais. Ton 1 il disparaît donc tu peux faire une. Ah ouais, je sais, ouais. Je regardais. Je vais faire pour le défoncer ça. Par contre, toi t'es mort du coup. Non, si tu le tues, je suis pas encore mort. Bah, sans rien d'interruption, personne passera dedans. Hop. Ouais. T'es au courant que je t'envoie le colosso là? Ah, je savais pas. Ah bah, avec 95 HP, je vais pas le garder. Hein. Je pensais que t'avais une primo, j'ai pas regardé, my bad. J'ai pas vu que t'avais pas primo. On va mettre ça là-bas. Après, tu peux retour spontané une fois que t'as bougé, hein. Je sais pas si c'est assez dangereux pour toi, tu pourras pas aller loin, ouais. Fais ton tour, hein, pour pas que tu meurs, de toute façon moi je meurs. J'ai rien, je peux pas voler de vie. Ah bah voilà. Bah FF. Ah mais je te dis, hein, jouer virus, je suis sûr que c'est pas la bonne idée. Moi, pour moi, faut jouer rayon de Wakfu et que je puisse... Vas-y, joue rayon de Wakfu. Bah parce qu'en fait, virus, faut que tu joues Xel Melee. Variante hein, de faisceau. Ouais, le problème c'est que je, si je joue ça, j'ai pas de vol de vie, c'est ça le problème. Hmm. Ou alors faudrait que tu joues plus mêlée et que je te soigne tous les tours, hein, sinon. Pas, bonjour, pas forcément mêlée, mais. Pas forcément mêlée, mais que tu restes près des mobs, quoi. Je pense que tout le monde doit te demander cela, mais tu as des news concernant l'ouverture. Non, j'en ai pas. Je n'en ai pas. Parce que si encore, tu sais, je peux pousser le mob et faire en sorte qu'il y a virus, mais là, je peux vraiment rien faire, quoi. C'est galère. Finalement, c'est pas le 12, ça sera le 13. Ils viennent de Twitter. Ah ouais? Info chat, effectivement. Info chat, le chat. Ah, c'est dommage, le premier try était tellement pixel. Je suis deg. Ok, c'est chiant. Ah, j'avais fait ça. En trop pas, en fait. Non, c'est bien aujourd'hui. Tu sais que tu peux envoyer ton frère loin avec la prémo.
Oui, j'imagine, si mon frère décide de marcher sur la prémo et de passe tour dessus, ça peut fonctionner, oui. Mets la prénom mot en dessous de moi, quoi. Parce que tu peux la mettre directement en dessous de quelqu'un, je crois. Alors, on va mettre une prémo par là-bas. Ah, t'es pas obligé de prémo dans le vide, tu peux prémo sous quelqu'un, ouais, ça c'est bien aussi. Genre sous les mobs. De toute façon, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Là, j'ai fait comme le OT1, j'ai laissé le Rosa se rapprocher. De merde, de chiottes, de perso de merde. Après, ça m'énerve, j'en ai marre d'avoir 75 sorts à faire, de pas avoir le temps de jouer, et j'ai même pas le temps de lire mon chat. Bon, de la merde, hein. C'est pas mal quand même, en vrai. En raid array. On est bien. J'étais full vie presque. Bon, le Xa, il va m'embêter un peu, mais c'est pas grave. En vrai, il faut qu'on tue le crawler hein, parce qu'il va invoquer Blairom qui casse les pieds à chaque fois. Mettre une prémo par là-bas. Tac. Oh, il fume le mec. Montre-lui, c'est qui nous est le plus chaud. Le plus chauve de la région. Chauve. D'ailleurs, en parlant de chauve, t'avais un mec qui avait un pseudo en chauve qui est rentré dans le donjon tout à l'heure. Ah ouais? C'était peut-être un fan. Non, je sais pas. Chauve qui peut. Ouais, il m'a détruit. Ouais, moi donc. Avec les boosts morfèvres, il m'a détruit. Il m'a détruit aussi. Et là, je suis bien bloqué. Tu joues quoi comme stuff sur ton Xel? Là, je suis multidocrite. Ça a coûté cher ça. Non non mais vous êtes ma priorité quand même le chat. Je préfère fail mes tours et vous lire. Pour jouer Xelor, c'est nous anime créa et on prépare l'ordre des sorts dans la barre de raccourcis pour utiliser les raccourcis clavier. Moi c'est ce que je fais avec la souris et mon ordre des sorts il est là. Alors j'ai il mon est sort invisible. Globo ici et... Il est invisible mais il va pas bouger et j'ai Il est où? Il est invisible. Clic sur mon sort. Mon il dernier... est où s'il te plaît? Mon dernier spell, bah il est là. Et j'ai distrit dessus, tu peux te soigner. Merci. D'ailleurs, tu vas me soigner avec en plus, comme ça, c'est pixel. Enfin, bien. Nickel. Ah ouais, c'est top. Avant, la distrit était mandatory, bon. Là. On est bien. Flou, tac. Défonce-moi ce Xa après, là. Oh, le problème, c'est que le colosso va nous ouvrir. Hein. Ouvrir. Ça va, en vrai. Il y a pire. Ah bah pas de greffe, Strigide, Torquelonia, zéro. Le stuff de base. Le stuff Roxor. Ah y'a le Blairom de merde. Salut Nuit Twitch. Ouais l'aventure solo Odyssée en roublard pour l'instant elle est en grosse pause. J'ai pas le Dofus Book zéro. Nickel, il a pas invoqué, ça c'est cool. Par contre, t'as un peu moins de PA, il t'a enlevé tellement. On va. Je vais avoir une redit bien violente pour le fumer. Le mot. Il sera où? Il sera là. Le mot, on va le mettre là. Là on est d'ac, il va falloir que je me rapproche. Tu peux faire ton tour full Xam et garder 3 PA pour mettre une arachnée ici et déloc le colosso. Ou alors tant pis, hein, fais ton tour normal. Allez, détruis le Xa. Quel. Pas mal ça hein. Ouais, pas mal du tout. Je vais pouvoir le tuer. Je le vois là. Allez. En plus, tu gagnes des PA. Oh. C'est prévu. Oh là là, c'est beau. C'est si beau, mec. Bah, ça y est, t'es en trop chaud en fait. Ah.
J'aurais pu conjuration, mais là j'avais de quoi. On est d'accord que si je mets deux sinécures, c'est cumulable les moins 40. Tu peux faire moins 80 d'opou du coup. Ouais, ça tabasse, hein, Elio. C'est pour ça que j'ai double sinécure. En fait, si j'aurais fait conju, bah j'aurais pas pu double sinécure et là j'avais des d'opou free. Fallait en profiter, je pense. Voilà. Je pense. Allez, une petite arachnée, s'il te plaît. Ouais. Le stuff idéal pour un Xel THL, ce serait multi, quoi qu'il arrive, je suppose. C'est intéressant. Je sais pas si c'est idéal, mais en tout cas, celui qui rocks le plus, c'est le multi. Ouais. Il en comparé Aurore Pourpre. Les multidocrites. Le multidocrite qui tape le plus. Ah bah, c'est le multidocrite quand même qui tape plus que l'Aurore Pourpre. J'ai mis une distrie dessus si jamais t'as besoin de te heal, mais moi je risque de die donc. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu le TP de manière à ce que je sois soin? Non, ça peut pas. Mais si un truc. Que j'ai distrit dessus, hein, tu peux te mettre bien. C'est pour la vita justement. Poser. Mais il faut surtout pas le laisser me toucher là. C'est ça le problème. Après il me tue pas, hein. J'ai 1900 HP. Oh, bien vu ça. Ça c'est très bien vu ça. Il va tuer l'arachne, mais c'est pas grave, non? Ah bah il est con. Ah il est con. Ouais. Il aurait pu utiliser un gros truc sur toi là. Oublie pas de remettre une invoque, parce que ça va. Dès que tu vas pas ce tour, ça sera fini, donc pense à mettre le chaffeur cac avant de faire ton tour. Ouais. Merci. Oh, t'as mis le bon chaffeur, ça y est. Oui. Bien joué. Même avec les glas, ouais. Un glas aurore pourpre 6, c'est 2100 au putsch. Ah, j'aurais dû conju avant. Moi, je conju sans nébuleux. Hein. Trop tard, mais c'est pas grave. Je sais pas comment aller chercher ma synchro, les gars. Pour moi, là, elle est pas cherchable. Hein. J'ai conju. Ah, si, elle est cherchable, mais avec TP, je pense. J'ai pas TP. Ah, c'est ça. Les gens savent pas les variantes que t'as, donc. Pas quoi qu'ils doivent le voir, ceux qui connaissent le Xel. Ah, je pense que ça se remarque, oui. Mais là, si t'as un tour où tu l'as fait péter, elle est monstrueuse. Hein. Essaye en vrai. Hein. Commence à te préparer pour la faire péter, justement. Il est mort, hein, le boss. GG, mec, enfin. C'est bon, ça. Et voilà. Oh là là. Putain, et dire qu'on... Finger, et dire que... in the nose. Et dire qu'on a failli le first try à un coup près. C'est que et le deuxième boss. J'ai déjà failli rage quit. Oh, purée de pommes de terre. Si le Xel te saoule, faut changer, hein. Peu importe, hein. Moi, je m'en fous. Non, non,